Et y'a tout le monde, c'est Delta Dragon, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Final Fantasy. Et aujourd'hui, on continue notre petit tour en tunnel. On va toujours vers le Devilville, histoire de sauver des gens s'il y a des gens à sauver, de retrouver Wedge peut-être. J'y peut-être alors que je sais très bien qu'on va le retrouver Wedge. Par contre pour les autres, je ne sais pas. Malheureusement, il y a pas mal de scènes que je me suis fait spoil sur ce jeu, mais bon. Après... Ça reste toujours un réel plaisir d'y jouer. Tu crois qu'on peut sortir par ce côté? Hop. Tac. Et on y va. Ah, c'est toujours... C'est calme ici quand même. Ah ouais. Mon dieu. Oh. Waymar! Non. Oh. Tu t'en es sorti! J'en reviens pas d'être en vie. Et les autres alors? Je sais pas. Je suis désolé. Je vois. Je suis tellement content que tu sois vivant. Ça me redonne un peu d'espoir. Oh, la guigne. Merde. Attends, non. Il y a un banc pour soigner ici? Ou pas? Je sais plus. Bah non. C'est problématique ça. Ah, si. Hop. Tada! Petit kiff. Ouf. Il y avait un truc à acheter. On sait jamais ce qui peut arriver. Mieux vaut donc bien se préparer. Ah. Ah, on va t'acheter ça. Tu vends des méga potions. Ouh, je vais t'en acheter 6. Par contre, ça coûte cher. Queue de phénix, je vais t'en acheter une. Éther, je vais t'en acheter une. Je vais t'acheter ça. Ça. Hop, ça part vite. Hein. Vendre. Arme. Bracelet en fer. Ouais, je vais te le revendre. Accessoire. Ça peut servir à la fin, ça, du jeu. Sois prudent. Ou contre un boss qui me ferait un peu trop galérer. On y va. Excusez-moi pour ce bruit abominable. Mais j'avais l'oreille qui gratte un minimum. C'est reparti pour de l'exploration, non? Espérant qu'il y ait des monstres, que je puisse XP. Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir XP? J'aime bien. Après, je pourrais le faire en dehors des vidéos, mais le problème c'est que là, j'ai pas de période libre. C'est-à-dire de période dans le jeu où je peux me permettre d'XP. Donc du coup c'est compliqué. Alors j'espère qu'après avoir sauvé tout le monde au bidonville, on aura peut-être un épisode d'XP. Ça pourrait être sympa. C'est bon, ça changerait, enfin, ça ferait juste un épisode d'XP, ce serait pas dramatique. De toute façon le let's play fera moins de 100 épisodes je pense, hein, largement même. Allez, va falloir se lancer. Oh bah c'est qui part. On va enfin pouvoir respirer l'air frais. Pardon, on te suit Bennett. Ça explose encore un peu, hein. Rassurez-vous, nous n'avons vu aucune courage. On y est presque. Nous avons vu aucune créature pour l'instant. Ah, je me suis dit, on sait jamais. Ça recommence. C'est plus proche que tout à l'heure. Et la maison tombée en ruine. Oh! Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide? Bon, bah... C'est parfait.
Vous y êtes presque. Allez. Ça ne veut pas. On va vous aider. Marle. Ah, c'est vous. On y va. Un, deux. Ça va, elle a eu de la chance qu'il y avait une poutre en métal pour l'aider. Bien joué. Merci. Wow. Je peux vous dire que vous avez eu de la chance. Et maintenant, quel est le programme? Bonne question. Il y a sûrement des gens qui ont besoin de notre aide. Dis-moi, est-ce que tu es retourné au bar? Non. Si vous alliez y faire un tour, déjà. Ouais. Bon, d'abord le bar, et après ça, on verra. Comme vous le voyez, les routes sont couvertes de débris. Alors faites attention où vous mettez les pieds. Hey, oh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Répondez-moi, s'il vous plaît ! Bon. Il y a des survivants ici ? C'est les secours ! Répondez ! Si quelqu'un nous entend, qu'il fasse du bruit ! Y'a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est triste hein, quand même comme ambiance, mon dieu. Deux secondes Barrette. Hein. Il reste pas grand chose. T'y vas. Il est à Wedge. Tu veux quoi? Allons voir. Ouais. On y va. Toujours plus aussi. Toujours plus long le triangle. Ah, on a failli écraser le petit chat. Il peut pas accélérer genre? Bah comment on descend? Moi je veux bien frérot mais... Ah bah oui. Hé hey, on arrive tout de suite. Alors surtout reste où tu es. T'inquiète. Ça sent la chenara à plein nez ça. Wedge. Non y'a rien par là. Merde c'est vraiment pas le moment. Bon, ça se fait du lui, hein. Tifa, Cloud, si vous m'entendez, répondez-moi. Oh non, parce que vous contrôlez Barrette. Il arrive qu'un icône en forme de mire s'affiche à l'écran. Ça signifie qu'un obstacle pourrait être détruit et proche. Fouillez les alentours pour trouver une marque désignant la cible à détruire. Détruisez l'obstacle, ainsi trouvé avec carré. Très bien. S'il n'y a pas de passage, je vais en faire un.
Attends, il y a peut-être des trucs moins chers. Non. Pas du tout. Pas des trucs derrière moi, non. Te tiens, toi ! C'est parti. Surtout tiens bon, Wedge. Ça aussi, c'est une installation de la Shinra. Faut que je mette une sphère d'analyse. Ouais. Ouais non frère, t'abuses là. Ouais, sphère d'analyse est déjà sur quelqu'un la deuxième. Ah, sur Iris. Ok. Bon. C'est réglé. Je préfère quand on me donne du fil à retordre. Hey. Oh. Choc combustible. On dirait des nouvelles. Allez pas m'énerver. Arrête, t'as encore frappé. Je préfère quand on me donne du fil à retordre. Compétence analysée. Insecte étrange. Voilà. Adieu. Allez, hop, ça c'est réglé. Bon. Oh oh oh. Dégage de là. Par contre, il y a ça aussi. Il y a moyen qu'il y ait un coffre derrière ça. Garde les lignes. Hop là, bingo. Oh. Oh, ça fait plaisir. Quand est-ce qu'ils ont eu le temps de construire tout ça, ces salauds? Sûrement quand t'étais pas encore ici. Vous écraserez coûte que coûte. Wow, c'est quoi ça? Compétence analysée. Évidemment. Peut-être se soigner du coup. Je suis pas du genre à abandonner. Ça vient, ouais. Oh hey. Deux secondes. Hey. Dans ta face. Voilà. Il m'en dira des nouvelles. C'est l'heure de prendre ta raclée. Transcendance. Bombe grenade. Extra soin de la trappe. Biscuit. Hop. Mais jusqu'où ils sont allés creuser ces connards de la Shinra? Ah, bah ce fut rapide. Et voilà le travail. Pas question que je perde ce combat. Allez, casse-toi.
Arrête, t'as encore frappé. Gros coup dans ses dents. T'as l'impression qu'il y a un dragon qui traîne par là. C'est rassurant. J'ai quelque chose qui traîne ici? Non. On va péter ce mur, mais par contre je vais aller regarder en pétant l'autre mur ce que ça mène. Question. Ouais, il doit y avoir un truc planqué ici derrière ce mur. Hop. La mitrailleuse. Bon, bah, c'est pas le perso le plus intéressant à jouer, je trouve, mais bon. Putain, ça tombe, j'en ai oublié derrière. Ah, le con. Ah ouais. Ah ouais, y'en a tout du long à péter comme ça. Ok. Écoutez, on va bien ouvrir les yeux. Je préfère quand on me donne du fil à retordre. Choc combustible. Qu'est-ce qui traîne encore? Ah, je me dis que j'ai loupé tellement de caisses, ça tombe. Que ce soit au-dessus ou en dessous, la China est partout. Ah, malheureusement, ouais. Comme tu me dis, mon petit Barrett. Comme tu dis. Détruire tout ce qu'ils ont construit. Tiens-toi. Ah, moi je vide mon chargeur, hein. Tifa. Hé, hey, Tifa. Tout va bien? Tu peux compter sur moi. Sur quoi est-ce que je dois tirer? Ah. Bon, saleté d'insecte. Désolé. Pas me chercher. Cours, 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 cours. Tifa! Et Cloud! Il est ici. Ouais, il s'en est sûrement sorti. Occupons-nous plutôt de ces bestioles. Prends ça! Allez pas m'énerver! Envoie-toi! Hop. C'est bon. Putain, c'est encore lui. T'es pas blessé? C'est pas le que j'utilise. Ah non, je vais bien. Il faut d'abord retrouver Wedge. On se grouille. Te tiens à toi. Hop.
Trouvé. Couteau. Hop. Anété. Très bien. Dégage de là. Ouais, trois endroits, donc c'est possible qu'ici il y a encore un coffre. Ah. On a récupéré des objets, des PM et tout. Moi, ça me fait. Tu avances comme ça depuis tout à l'heure, quand même. Bah, si. Tu me connais bien pourtant. Dégage de là. Donne-moi ça. Hop, combo surpuissant. Sort toxine. Affiche une quantité moyenne de dégâts non élémentaires et l'altération d'état poison. Touche la cible à coup sûr. Sort vent. Comment je rentre là-dedans moi? Ah. Bah oui, me disais bien. Matériel de quoi ça? De glace. Pourquoi pas? Bon, je n'ai déjà beaucoup de matériel de glace. Dégage de là! Voilà! Hop. Des chocos au TR. Quand même des kills, ça m'aiderait un peu plus quand même. Oh, il y a beaucoup de matériel hein. C'est quoi une matériel de quoi ça? Résistance aux altérations. Ouh. Oh, ça peut aller sur sur je sais pas qui, mais ça ira sur quelqu'un. Ah oui 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 oui. Je sais pas, peut-être Tifa, j'en sais rien. J'ai monté pas mal d'étages déjà. Tiens, je vous connais pas vous. Ah si. Ok, c'est parti. Et bam. Faible électricité, je m'en doutais. Le problème c'est que j'ai pas foudre. Par contre Barrett, il a foudre. Hop, choc combustible. Compétence, combo surpuissant, tronçonneur. Extra toxine. Hop. Question, est-ce qu'ils ont gagné des points?
crois que leurs armes ont gagné des points. À vrai dire, si j'arrive à mettre un emplacement de matériel en plus. C'est un peu les reins ça. Question. Est-ce que là, je peux encore lui mettre quelque chose? Dégâts de feu augmentés. Ça pourrait être. Enfin, ça pourrait être bien ça. Ici, il y a quoi? Rapidité. On va mettre rapidité. Hein. Hop. Quand même. Et mon petit barrette. Esprit de camaraderie, faudrait peut-être que je le donne un moment. Oh, ça reste quand même mieux cette arme. Alors, j'ai 14 points à mettre. Ici, dégâts d'attaque normale en cas de garde, résistance, altération. Et ici, dégâts des techniques de transcendance, non? Attaque physique, attaque magique. On va mettre attaque physique à lui. Hein. Ouais, puisque en général, c'est que du physique. Bah ouais, t'inquiète. Il est vraiment costaud dans son genre, tu sais. Je suis certain qu'il est en train de dormir en ronflant là. On va sortir de cet endroit. On va lui donner de bonnes choses à manger. Hop, combo surpuissant. Hop, petite foudre dans ta gueule. Une petite toxine dans tes dents. Transcendance. Et saut périlleux. Allez, on passe à la suite. Hop. Attends, souffle un peu. Oula. Qu'est-ce que je fais? Hop. Alors. Bon bordel. Quand on me donne du fil à retordre. Hop, sort devant, en plein milieu. Hop, sort devant. Ok, parfait. Y a pas à dire. Ils ont vraiment pensé à tout ici. Hop, on va les soigner. Parce que bon, tout de même. On va même acheter les petits objets qui sont en promo. Oh bah attends, je suis con. J'achète pas la chanson moi. Ah, attendez. Armes et protection. Bracelet gothique. 53 et 13. 33 et 33. J'achèterais bien celui-là. Je vais regarder un truc. Cloud. Il a le bracelet bouclier. C'est clairement pour elle en fait. Celle-là elle a quoi? Remplis la jauge de transcendance lorsque des PM sont utilisés. Augmente l'effet des soins. Ah, je suis désolé, c'est pour elle. Hein. Augmente le PV maximum de 10%, augmente la force de 5%. Bracelet bouclier, ok, c'est toi qui l'as. Tifa, elle a quoi? Bracelet gothique. Toi, t'as quoi? Bracelet en titane. Alors, à
acheter. Accessoires. Est-ce que c'est mieux ça ou ça? En vrai, ça lui augmente deux trucs. Hein. Et c'est pas perdu. 4. Et accessoires, il y a quoi? Pas grand chose d'intéressant. Et matériaux. J'achète une PV augmentée. Hop. Start. Hop. Alors, soit un foudre, feu, analyse, PM augmentée, attribut. Il a pas les PV augmentés par contre. Hop. Par contre, on va remettre Shiva à Tifa. Parce qu'il faut pas déconner. Non, parce qu'après. Oh non. Je voulais le vendre pour tant pis. Question, je peux repasser? Est-ce qu'on peut faire demi-tour? Oui, je veux juste revendre mon bracelet. Ça se revend trop pour trois fois rien ce truc. Bon. Après c'est toujours utile. Hein. Ok. Wedge. Ça ira. C'est vrai. Des peurs comme ça, mec. Oh, bon sang. Merci. Allez, on y va. Et où, Cloud? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mauvais signe visiblement. C'est quoi Oula ces trucs? Qu'est-ce que c'est toi? Ouah, des mutants! C'est le frère de Venom. Ouais, ça fait beaucoup là, non? C'était caché où cela? C'est la Shinra qui a créé ces créatures. On va analyser pour savoir ce qu'ils aiment pas. La glace. Je compte sur toi. Ok, c'est parti. Coute-moi ça. Prends-moi ça. Sort. Extra glace. Arrête. Extra foudre. Hop, sort. Extra glace. Oh, mais là, il y en a trop là. Après, ils sont plus ou moins fragiles. Ça va aller. Évidemment, tu me connais. Est-ce que juste là ça fonctionne pour le tuer ou pas?
suis pas fini. Ouais. Je les atteins. Est-ce que je peux monter? Est-ce qu'il y a des escaliers? Il n'y a pas d'escalier. Bon ben ça va être avec Barrette alors. Ça c'est du gros ça. Barrette. Ah, il va falloir que tu m'aides. Prends ça. J'y crois pas, l'enfoiré. Donne-moi ça. Tiens. La chercher. Wow. Ok. Il aime pas beaucoup la glace. Hein. Objet éther. Hop là. Voilà. Ne rattrape pas. Ah, le temps. Tu vas voir. Dégage de là. De ta face. Soin arrête. Désolé, mais j'ai pas le choix. Please!
ferme ta gueule. Vas-y. Combo surpuissant. Ah mais je vais mourir là. Non. Objet. Queue de phénix sur Barrett. Objet. Ouais bah désolé hein. Très bien, salto périlleux. Avant les. Barrett, soigne-toi. Invocation Shiva. C'est parti. Hop, compétence. Hop. C'est bon. Une paire de griffes en mitri. Vous le sentez ça? Ah, voilà le prigo. C'est maintenant que t'arrives. À toi de jouer. Non mais t'es à la bourre et tu me donnes des ordres en plus. Suivi les impacts de balles. Laisser un tel chaos derrière soi, c'est signé Barrett. Hein ?
Ben vous savez quoi, on va se laisser ici pour cet épisode. Sur ce, j'espère qu'il vous aura plu. Il sera un peu plus long que d'habitude parce que ce combat était relativement long. Nous on se dit à demain pour le prochain épisode. Allez, ciao.